Toto. C'est surtout que, ouais, Par contre, il va se faire annexer, je pense, là, le pauvre Valley. Pas très grave, hein. Par exemple, là, J'annexe le mec qui a annexé. Ouais, du coup, j'aurais pas trop les réparations de guerre, mais bon. Par exemple, si je regarde, j'ai une maximum de Des population sièges. sur Accuse. Sur Accuse de 16%. De 16 populations. Alors, comment 16 de ça? pop à Syracuse? Non, un maximum de 16. Ah! Mais Ça gagne pas, comment mais ça bon. pop? Par contre, Comment que ça rien que dans pop? Syracuse, t'as plus de pop que moi dans tout mon royaume, hein. Oui, Si t'additionnes tes deux provinces secondaires, là, t'en as autant que chez moi déjà. j'ai vu Carthage. Je faisais une partie avec Sparte hier pour faire un peu le mode un peu plus intensément. Attends, Et t'es pas malin. ils avaient 21 de pop au bout de 50 ans, les Carthages. J'ai pété un. J'ai fait wop. Ah, t'as vu, hein, y a plus les événements de slave, hein, Non, d'esclaves. effectivement, après peut-être qu'il faut attendre un peu plus. C'est quoi le début de mon arme de mission? Globalement, faut que j'ai du pognon pour ici construire un forum, enfin remplacer mon forum par un centre-ville. Permet aussi d'avoir un tribal. Donc en gros, les populations tribales, c'est les populations rurales. Commoner, c'est la population des villes urbaines. Et upper class, bah, comme son nom l'indique, c'est les nobles. Première chose à faire, ça va être ça. Ça, il faut que j'ai 7 de pop, donc bah ça va. Mes missions ici vont m'aider aussi, parce que là, je gagne 1 de pop. En gros, mes premières missions, c'est de faire de l'argent pour gagner des bâtiments qui sont très très en avance d'un point de vue logique. Dans le centre-ville, je crois que c'est tech 20 ou un truc comme ça. Forum, déjà, c'est tech 2. Donc, déjà, j'ai un forum, je suis pas censé en avoir un. Et le town hall. Tech 20, c'est ça, tech 20, town hall. Attends, je sais peut-être pourquoi on n'a pas d'événement. Ah? Tu vois, la population, le siège slave et siège option. Ouais. T'as désactivé tout. Ouais. Je me demande si c'est pas par rapport à ça. Non, parce que j'ai déjà eu des événements de des staffs comme ça alors que j'avais des. Pour moi, le truc désactiver des esclaves et des sièges, c'est vraiment réduire la population en esclavage ou piller les villes que tu prends. Quand je lis par exemple, ça me met. Bah, c'est en rapport avec les esclaves parce que tu peux récupérer des esclaves dans les villes que tu conquiers en fait. C'est pour mécanique, note maximum communication, le Et l'event sauveteur. des esclaves que tu as tous les X temps, c'est les revenus que te versent tes esclaves en fait. Bah, c'est vrai que c'est chiant parce qu'avec Rome, moi ça me fait 20 ducats tous les quelques années, c'est intéressant quoi. Bon, on est Ouais. parti pour dormir pour un petit moment. Bah, tant pis. Ou alors peut-être que c'est peut-être les décisions peut-être. Enfin les privilèges d'esclaves. Non, moi je touche jamais ceux-là, je les trouve toujours un peu casse-gueule les bonus. Ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. Non, enfin je sais pas, t'as déjà vu les privilèges des slash, je sais pas si on a mis beaucoup, mais moi je trouve que c'est vraiment. Enfin, c'est un peu casse-gueule à chaque fois. Ça dépend si tu veux devenir un état esclavagiste ou pas, tu vois. Ouais, mais avoir trop d'esclaves, ça te mine aussi, hein. Ah oui. Ça donne des bonus au niveau de la prod et tout, mais ça te mine au niveau de la stab et des risques de révolte. Je vais garder dans la population chez tes esclaves. Alors. Ah, ça y est, j'ai eu un événement. Par contre, je ne vais pas mettre au minimum mon entretien de l'armée parce que je vais continuer à renforcer mes troupes de citoyens. Je mène tellement de temps à ce repop, c'est incroyable. Ça, habituellement, je les mets en cave, mais là, j'aurais trop de cave si je les. Alors moi je mets ma cave, je la mets en régiment ouais, ça coûte moins cher. Ouais, bah pareil, mais le problème, c'est qu'avec Rome, je pop avec déjà avec de la cavalerie dans mon armée.
Si Moi je j'ai me trouve détruit avec ma. 2 unités de cavalerie, tu vois, ça m'en fait trop de cavalerie. Ah, moi j'ai détruit ma cave. Hein. Ouais, mais je t'avoue que j'aime bien l'idée d'avoir du manpower. 1000 de Ouais, bah manpower, j'avoue. quand t'es à 5000 de manpower, c'est quand même pas mal. Oh, la guerre qui va durer éternellement, Argos qui veut pas faire la paix. Y'a contre qui? Non, ils sont en paix, Argos. Naxos, tu veux dire? Ouais, Naxos, oui. Ah, il faut que je sorte une flotte, là, c'est plus possible. Delos, Ambrose, Arsos, Naxos, voilà, c'est là. Oh, hey! Putain, tu te rends compte que Naxos est divisé en 4 provinces? Je sais pas si t'as vu, t'as l'île de Yos, t'as l'île de Amorgos, et t'as Naxos elle-même qui est divisée en deux. Ouais. Bah t'as aussi Chypre hein, qui est pas mal. Hein. T'as trois Ouais, mais états à Chypre. Chypre, je la vois pas. Même Rhodes, genre Rhodes, c'est 4 provinces, quoi. Oh, c'est fou. Bah Athènes c'est 5 provinces. Hein. Ouais, t'as toute l'Attique, en fait. Et encore, en Vanilla, la province d'Athènes, elle est plus grande que ça, hein. Ça englobe aussi la baie aussi, hein. Oui. Athènes. Ouais, donc en fait, ils ont quasiment séparé toutes les provinces en Allez, deux en et 25! je te jure. Je trouve que le découpage est plus beau que. Enfin, il est beau. J'aime bien le découpage. Ça fait Ouais, un. c'est Ça fait un... joli. Ça fait un... Ça fait plus réaliste. Et dentelle. Même, tu sais, j'ai regardé des vieux let's play pour essayer d'apprendre à jouer au jeu. Au vieux, Ouais. le mode a trop changé depuis. J'ai vu un mec qui avait joué Rome il y a 2 ans. Rien que là, la carte, elle a été tellement découpée depuis, en 2 ans, dans le mode, c'est incroyable. Genre, dans le truc du let's play du mec, Rome, t'avais un mec au-dessus, un étrusque au-dessus, t'avais un latin en dessous. T'avais une province au-dessus, une province en dessous. Et maintenant, j'ai 3 mecs au-dessus et j'ai 4 mecs en dessous. Ah bah c'est fou. Bon, du coup, le Il Tusculum a bouffé le bon Vilae. y en a qui font des. Il y a des modeurs qui font des trucs de fou furieux quand même. Hein. Bah, ce mode, il est incroyable en vrai. Il est super dur, mais il est incroyable. Ok, j'ai dépensé 150 ducats. Avec un Town Hall à Rome. Ça permet d'avoir un peu d'accroissement de la population supplémentaire et des petits. Maintenant, je vais attendre d'avoir ta tech 2 pour avoir le petit bonus de tactique. Et essayer d'attaquer un mec. Je sais pas lequel par contre. Peut-être le Numentum. Il y a Lick à la Ombrie. Total unfree population. Slave général type Oh, mais c'est 75. énorme, Umbria! C'est tout ce truc-là! Il est trop fort ce machin. Il a un allié, mais c'est un gros gros allié. Et 64 esclaves. J'ai peur. De quoi? J'ai peur du Lambri, il est énorme. Oh merde, il est pas loyal lui. Ah, faut que j'améliore ses relations. Quelque énorme. Umbria. L'allié du truc vert qui s'appelle Numentum, juste au-dessus de moi. Ah oui, non, mais ouais, en plus c'est historique, hein. L'Ombrie, les guerres de ligue avec l'Ombrie, Oui, c'est beaucoup trop Rome. gros. Sabins qui sont en dessous, heureusement qu'ils font un peu. Bah. Ouais. Ah, Metalware, ça vaut tellement cher. Faut T'es voir en de plus les bonus passer. que ça donne. Essayer de vassaliser le petit mec à ta droite, enfin, sur la côte, l'Avignon. L'Avignon, bah, si j'arrive à le mettre en saucisse, ouais, je serais content. Je pense que c'est le seul que j'ai vraiment la possibilité de le mettre en saucisse. Je monte ça compte. À 20, enfin, la faveur jusqu'à 20 pour mettre sa confiance à 10 de plus. Bah, je pense que tu pourrais Il me taper manquera encore tranquillement 6 points par contre. le. Je pense que tu pourrais taper tranquillement le Tusculum. Tusculum, bah t'as vu ses alliés? Ouais, ils sont deux, ouais. Ouais, ils sont deux Il y a côte à le côte. Vélitraïque à 7000 hommes, et il y a le Codina, je sais même pas ce que c'est Codina. Ouais, c'est un Oh, Codina, je casse-tête. m'en fous, c'est en dessous de Capoue, c'est super loin. Au pire, Mais on aura été aidé le pour problème c'est passer. Vélitraé à 7000 hommes et c'est juste à côté donc pour la renforcer. C'est-à-dire qu'il me faudrait au moins 15 000 hommes pour être sûr de gagner.
Bah, quand tu seras prêt, tu me dis, hein, moi je Après, vais. avec mon vassal, s'il est loyal, ça me fait 3000 hommes de plus, donc moi ça fait 10. Et mon saucisse, ça ferait 14. J'amène mes vassaux, mes alliés du coin, genre le Latium, le comment il s'appelle celui-là, le Kaisera, le truc. Ça ferait assez, mais j'ai de la confiance. J'ai 10 de faveur avec mon. Bloqué, ah, bloqué aussi Que une c'est autre. possible de développer les provinces? La réponse est non. Pas. Un développement naturel, les populations se développent tout seul. Je peux tout faire à mesure du temps. Alors vous expliquez le système, Comment ça fonctionne, je ne sais pas. Honnêtement, c'est je ne trop saurais pas compliqué. ce. D'après ce qu'on a compris, c'est que plus tu as de bâtiments, plus ça monte vite. Par exemple, là, le Town Hall, il s'est écrit que ça donne le plus 0,2 en population urbaine et en noble, donc ok. Je pense que le type de terrain ça joue aussi. Ah oui, et puis t'as, c'est marqué en plus. Alors, si t'es en farmland, ça monte plus vite que si t'es en montagne. Ouais, c'est effectivement, ouais, pas grosse effect, c'est écrit, ouais. Mais j'en sais pas plus. Oui, absolument, la date c'est la fondation. 46. Ça fait du moins 500, d'attendre moins 590, un truc comme ça maintenant? Je crois qu'il faut faire plus 700, ou moins 700 plutôt pour avoir la date en Jésus-Christ. Sinon, il y a une décision qui permet de voir ça. Hop, si je... Voilà, ça me le dit, on est en 609 avant Jésus-Christ. Bon, là je suis parti pour dormir un peu jusqu'à la Tech 2, hein. Ouais, c'est vrai que ça aide beaucoup à tes deux. En mars Comme là. 150, 4 ans encore. Quoi aussi, on peut mettre ses vitesses 5? On peut essayer, vas-y si tu Café. veux. C'est 153 la fondation. Oh, mais, tu vois, je le connais pas par cœur. Ah, l'événement des esclaves, parfait. Gagne 21 ducats. Voilà, la Très content. richesse. Eh, 21 ducats, c'est 21 mois de revenus, hein, c'est pas rien. Hein. Ah ouais, quoi? Donc, mes missions là, c'est de gagner de l'argent pour avoir un herbaliste et. C'est quoi l'autre truc ça? Ah oui, un temple. Hein. La place de l'hôtel. Ah, tes missions là qui te permettent d'avoir des bâtiments bien avancés par rapport aux autres, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est sympa, mais après ça coûte cher quand même. Après. Ça coûte tellement peu cher par rapport au prix des bâtiments. Genre là, l'herbaliste il me coûte 100 ducats et en plus ça me donne un de pop. Alors que si je veux le construire à la mano, l'herbaliste il me coûte 300 ducats, un truc comme ça. Pas où c'est. Luc. Peut-être. Où c'est l'herbaliste? Je sais même pas où c'est! Cyrus, aide-moi! De quoi? C'est où l'herbaliste dans les bâtiments? Ah, c'est là, dans Else. Ouais, logique. L'herbaliste, c'est apothicaire, hein, en français. Ouais. Ah, ça coûte 183 ducats. Et encore, j'ai des. Des réductions. Donc, ouais, c'est clairement rentable la mission. L'argent quoi. Le plus efficace de faire de l'argent, de ce que j'ai vu, c'est quand même se faire des conquêtes. Hein. En état, tu bouffes sa réserve d'or, donc. Ouais, et puis comme je disais, il bute de Partons pas. rien en vrai. Bon, j'ai pas l'impression qu'il build des beaucoup de choses. Globalement, j'ai l'impression que les IA ont du mal à jouer au mode quand même. Oui, je dis pas la mécanique du jeu, c'est une mécanique de base. Est très sympa à jouer. À Je vais tester. partout, ouais. Athènes, je pense que c'est sympa aussi. Pense en Crète, il y a moyen de faire un truc. Carthage, c'est vraiment marrant aussi. Mais Carthage, c'est une province vassale. Enfin, colonie.
Finalement, je Tu pense que prépares. toute la Gaule Hispanie, ça n'était pas très intéressant. Il faut prendre son indépendance. T'as Macédoine qui est l'un des. Macédoine, c'est vraiment sympa, Macédoine. Le début est assez simple pour un débutant, c'est pas mal. Je pense que Thèbes, t'as moyen de faire des choses aussi avec Thèbes. Pareil avec Argos et Corinthe. Dans toutes les grandes cités grecques, quoi. Aussi jouer dans tu peux je prendre les gros pays dans le sud de l'Italie aussi là t'as Je des pense gros que. machins là Ouais. Oh, je sais pas trop, là, genre la Lucanie, tout ça. ouais Pas sûr qu'ils aient grand chose. Ouais, ils ont leurs propres idées en tout cas. Quoi, les idées de Rome? Alors, j'ai quoi de regarde. base? J'ai un conseiller de plus, fort défense. Pas ouf. En ambition, j'ai recover moral. Cool. Ensuite, j'ai coût des taxes de guerre. Taille des garnisons. Des conseillers, institutions, coût des institutions, coût de construction et prestige, tolérance de la vraie foi et impôts. C'est pas ouf en vrai, hein, pour le roi. C'est le royaume, hein. Regnum Romanium, c'est pas la République. Ouais, non. Je pense que la République est plus intéressante. Ouais, ma première province. D'ailleurs, pour devenir une République, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que j'ai Tarquin le Superbe. Un event? J'imagine que là j'ai Tarquin Priscus. J'imagine que après j'ai Tarquin Tullus et Tarquin Superbe après. J'imagine que c'est dans cet endroit-là. On va avoir des events pour nous donner des rois romains. Bizarre. J'avoue que je suis jamais allé assez loin pour avoir la République. 150 ducats, je suis riche. D'ailleurs, toujours au point mort. Ah non, t'as réussi à gagner finalement. Ouais, enfin. Je suis en train de build une flotte là. Rigole le drapeau de ton voisin du nord là, le Canada, le Katana il s'appelle d'ailleurs. Comment un royaume weeb. Katana. Le kata quoi? Katana. Bon. Le violet là autour au-dessus de toi. Ah oui, bah Ah c'est le non, c'est prochain. Katane, pardon, c'est Katane. Ah, mais... Ah oui, c'est katane en français, ouais, c'est katana en anglais du coup. Ça sera la prochaine victime. Hein. Ah ouais, tu prends pas Mégaré. Regarde-moi le nombre d'alliés qu'il a, lui. Bah, Mégare, il est allé à Mégare, c'est normal. Colonie de Mégare. Il faut que je fasse une bonne flotte pour pouvoir taper ça par contre. Ah, puis il est allé en plus au mec de la Calabre en plus. Ah, les savants de Rome. Gagner des points de mine. C'est vrai, mais bon. Maintenant, on voit les techs là. Je pourrais mettre le focus en militaire, tiens, je vais le faire. Tu gagnes que 2 points en diplôme. Ah oui, forcément. Tu as 6 relations sur 3 en diplôme. Tu m'étonnes que je galère en diplôme. J'ai besoin de système. Non, c'est 5-7 avant Jésus. Il y avait de moi là. Avec Lucius Juntus Brutus qui gâche Tarquin. C'est dans 100 ans du coup. Mais 100 ans, 3 rois, ça me semble pas déconnant, hein. Je connais pas par cœur tous les rois de Rome, même si on... Mais... Ah ouais, hein, c'est pas récent. Ouais, je pense que je vais partir sur la Tech 2 et peut-être que je prendrai bien ton aide pour la guerre. Hein. Pas tout ce couloum, je pense. Au courant. À moins que j'ai tous mes voisins qui accepteraient de venir. Pas encore les faveurs. Oh, je suis baisé par la RNG. Qu'est-ce qu'il y a? Le roi de. Comment il s'appelle? Kaisera, les Étrusques qui sont mes alliés juste au nord de chez moi. Ouais. Leur roi est cruel. Et du coup, ça lui met à moins 30 pour rejoindre la guerre.
Oh! Attends, le truc vert n'accepterait pas de rejoindre la guerre des Tusculum là. J'ai carrément moyen de les attaquer en fait. Ah, c'est super ça. C'est parce que t'es l'IA. Si j'appelle mon saucy, Y a moyen de se sortir, je peux le faire et je peux même ne pas avoir besoin d'appeler mes alliés. Après, il est toujours allié avec. Ouais, déjà. Et c'est super loin. Quelques denies. Trop loin, de toute façon, j'aurais le temps de les tuer avant. bah, si tu penses que que ça serait compliqué, n'hésite pas à m'appeler en pire. Hein. Le verre est aussi cruel. Effectivement. J'aime bien aussi, je crois. Ah, mais j'ai le passage chez lui, je crois. Je Un peu l'enlève les le passage ami. subcontinents. Ils sont. Ah ouais, les continents sont. Ah ouais. L'Italie, c'est un subcontinent lui tout seul. Ouais, bah normal, hein. La Macédonie aussi, c'est un subcontinent lui tout seul. Ah, ils ont appelé ça Macédonie, ils ont pas appelé ça la Grèce. Je vais réduire un peu la vitesse, ça te dérange pas, parce que je vais devoir appeler mon Je vais. poteau rapidement. Le problème, c'est que je peux pas l'appeler à la guerre comme ça, mon saucisse, je suis obligé de l'appeler à côté. De déclencher la guerre puis après l'appeler. Ouais. Oh, c'est mal foutu. Et mon vassal vient. Allez, le Rhum! Ceci, ok, ça a pas pris la demande, bon, c'est pas très grave. Ok, Hyper. c'est gagné! GG. Du coup, l'appel à la guerre de ceci n'est pas passé, mais c'est pas grave, ça m'évite de prendre l'expansion agressive pour rien. Je peux appeler Lavinium, mais ça m'intéresse pas. A voir ce que fait le Codinae, mais je suis pas sûr qu'il arrivera à avoir les accès chez tout le monde. Servius Tullius. Attends, les rois, c'est Romulus. Ouais, bon, Romulus, ok. Pompilius Tullius. Ah non, les slash, ok, d'accord. C'est Romulus, ensuite c'est Numa Pompilius, Tullius, Hostilius. Putain, les noms à la con. Ancus Marcinius, Tarquin l'Ancien. Donc Oula, Tarquin oula, l'Ancien, c'est oula. celui que j'ai là. Tarquin Priscus, c'est Tarquin l'Ancien. Ensuite, Servius Tullius, donc c'est celui qu'on a vu ici. Ça, Servius Tullius. Ensuite, Tarquin le Ouais. Superbe, c'est ça. Tarquin Superbus. Oh, ça Superbus, m'en ça me fait dirait marrer. pas. Je sais pas Ça si t'as revient. connu ce groupe de rock des années 2000, Superbus. Non, Tu parles à personne moi? connaît. Y'a que moi qui connais. Bah ouais, tu connais. Hein. Salut Andrew, bienvenue. Putain, j'ai un chat dans la gorge. J'ai extrêmement mal à la gorge. Bonjour. Faut crier hier. Vas-y, chaud, on va attaquer la Babylone. T'es prêt? T'as dit Non, Babylone? viens, viens, viens. Vas-y, je t'emmène. On T'as va attaquer dit, tu t'as Babylone. dit que t'allais attaquer Babylone. C'est ça que t'as Vas-y, dit. vas-y, on y va. Allez, ça, on y va. Tu sais que je la vois pas Babylone. Hein. Légit, à Je 62 vois Babylone. rien. Là, la Lydie, et encore la Lydie, je vois juste son nom sur la carte. Ça Je va me un demande peu. si. Je me demande si les territoires ils ont des désastres pour faire la fin de l'âge de bronze. Ah, c'est passé la fin de l'âge de bronze déjà là. Déjà passé là? Okay. Ah oui, la fin de l'âge de bronze c'est moins 1000 je crois. Ah ouais, c'est ah oui c'est ouais, ok. Ah Oui, ouais. bah la fin de l'âge de bronze c'est la chute de l'Empire mycénien par exemple. Ah En Grèce. oui, ok. Ouais, Et bah oui, du coup. j'y pensais parce que ça sera le scénario de base de prochain Total War qui vont Ouais, sortir là. Pharao, ouais, effectivement. Ouais. J'ai vraiment peur de ce que j'ai vu. J'ai vu une armée de la Codigna qui est arrivée près de chez moi. Enfin, près de chez moi, vers Capoue, un peu au nord de Capoue. Ils ont pas l'air de pouvoir me passer sur les Volscas, donc c'est parfait. Capoue, Volscas, la meilleur meilleure. pote, hein. Capoue, l'endroit, la meilleure série du monde. Spartacus. Spartacus, ah, c'est sympa, Spartacus. Ah. J'ai pas vu, j'ai jamais. J'ai décroché au dernier épisode, par contre, j'ai jamais vu le dernier épisode. Sérieux? Le dernier Ouais. épisode? J'ai regardé la série, j'ai décroché au dernier. Ah, c'est pas grave, ça arrive. Oh,
bon, ça va, tu perds pas Il grand va où monde. mon vassal? Bah mon vassal il allait ch chercher Codina, hein, tout simplement. Sauf que bah, il s'est rendu compte que Codina avait deux fois plus de troupes que lui et du coup bah il rentre à la maison là, hein, avec cul entre les jambes. Et maintenant, combien il y aurait de troupes si j'attaquais tir? Je vais aller voir. Tire! Tu vas attaquer tire! Sous, tiens, ouais, tiens. T'es un taré mec! Pourquoi tu vas attaquer tire? Hein, il est pas appelé, tiens. Ces vassaux sont pas appelés. Tu veux pas genre unifier la Sicile là, comme une personne normale? Non, non, mais je voulais voir si toutes ces colonies sont appelées, mais non. Des vassaux, ils donnent rien, les colonies, peut-être juste comme dans le vrai monde. Oh, ça parle de catastrophe pour Spartacus. Non, il y a des points positifs quand même dans la série. Il y Peggy a des choses pas 18. si mal dans Spartacus. Peggy 18, hein. Oh, elle est divertissante. Oui. C'est clairement pas très historique, hein, réaliste, hein, mais bon. Ça fait Elle est du bon totalement mon spectacle. ennemi, j'avais un stock d'argent normalement, ouais. Ouais, tiens, pas bête, je vais voir dans son. Si je peux pas. Après, il y a Domina en ce moment. Il y a Domina en ce moment qui est sorti une série. Connais pas du tout. Ah bah on suit Peut avoir l'argent total, non. Une femme qui évolue dans la sphère romaine après la mort de César. Ah ouais. Voilà. Je dirais pas plus d'informations. Voilà. J'ai peur que ce soit une parle de femme à Rome, j'ai peur que ce soit un peu femme forte, indépendante, machin. Pas, hein. Et pas qu'un peu. Les femmes avaient très très aucune importance quasiment. Enfin, c'est vu comme des sous-amas. Il pouvait même pas avoir des biens. Il devait avoir un mari, voilà, il devait avoir un fils pour pouvoir. Le fils qui héritait de son. Qui n'avait pas d'enfant, c'était la La fin. seule vraie série, Moi, je c'est serais pas Rome parti. de HBO. Bah ouais, évidemment, mais Rome Mais de HBO, oui, mais oui. c'est trop trop bien. Hein. Est-ce qu'il paraît, ils ont Elle arrêté a la quasiment série? aucun défaut cette série. Ils ont raté la série parce que ce qui paraît, le décor a brûlé. Oh, j'ai fait une connerie! Non, c'est bon, il s'enfuit, c'est-à-dire que je le bats. Vas-y, il y a mon vassal qui me suit. Let's go! Let's go! Oh, c'est le début de Rome la à grande Vitrix! conquête romaine. C'est le début de la grande On conquête arrive à romaine. Capoue! À Capoue, quand même 7. Victoire! Capoue qui est quand même 7 de pro 7 de pop, hein, non? Capoue, c'est Pas assez mal. fort, ouais. Oh, y a plus de pop à Capoue qu'à Rome. Vas-y, on va jusqu'à Codina. Ah, je pense que c'est un truc que je les entends souvent, ça a plus de pop qu'Abram. Non, non, ça va se développer, Rome, t'inquiète. Ah ouais. Pas 5 de pop, hein. Mais j'ai des nobles maintenant. Plus Codina acceptera une paix blanche. Ouais, je pige rien moi quand ça pop les trucs. Bon, c'est pas. Oh, mon vassal qui se sent plus pisser. Et vas-y, je savais bien que j'ai pas fait une erreur. En te vassalisant, toi. Oh, regarde, oh, regarde-moi ce Tchad. Je gagne Tchad zéro vassal. vers. Il l'a wipe. Il l'a Je wipe. gagne. Le WAP du vassal, ouais! Non, Oh, trop je fort. gagne 0,26 points de République Pourquoi Tradition. j'ai Lavinium qui est Oh. là? Oh non! Lavinium, il me refait le même coup qu'à la guerre d'avant. Il a déclaré la guerre à Tusculum pour prendre Bovillae. Du coup, il est aussi en guerre contre Codium. What? Ouais, mais Lavinium, mon pote, tu veux pas l'avoir, hein, la province, hein, elle est pour Bibi. Hein. Toi, ton futur, c'est être un socie. Hein. Socius, en fait. Oh, masculin. Oh, singulier. Prise. Ah, C'est bon. je peux devenir un gouvernement tyrannique si je veux. Ouais, bah, c'est une monarchie, en fait. Hein. Codina devrait accepter. Je lui ferais bien imposer les réparations de guerre, lui, tiens. Oh, je peux le faire devenir un saucisse, sérieux? Pas un latin pourtant? Bah tant mieux. Oh, le roi qu'ils ont eu, hein. Oh, l'event. 4, 6, Hop, 3. let's go. J'ai fait la paix. Je rentre à la maison maintenant. Alors, dans les décisions, enfin dans les bonus là de ce truc, t'as un super truc, c'est la stabilité. Ça? Stabilise ce country dans les bonus d'air. Faut le prendre. Ah oui, c'est fort ça. Je sais pas ce que tu veux Parce dire. que
Tu montes te... c'est tellement, Ok, alors tellement on va cher à faire ce prix. le test. Là j'ai 47 ducats en poche, je lui demande 15 ducats dans la paix, et je me retrouve avec combien de ducats après la paix? 450, voilà, donc clairement très Ah rentable putain. d'annexer des.